Parfait, on va continuer avec la deuxième partie de notre présentation. On a terminé la première partie avec une question. Pourquoi nous avons lu la Bible et quels sont nos motifs pour la Bible? Pourquoi prendre le temps de lire, de tenter de comprendre quelqu'un que nous n'arriverons jamais à comprendre pleinement? Dieu est infini, il est limité. On ne va jamais arriver vraiment à le comprendre totalement. Donc, pourquoi prendre le temps de le faire? Je me suis posé cette question-là. Puis, en me posant cette question-là, C'est vraiment cet esprit. Le Saint-Esprit a mis des chercheurs dans ma tête. Puis, j'ai réalisé que les chercheurs sont en train de faire des recherches, mais ce n'est pas comme s'ils vont arriver à comprendre pleinement leur recherche. Ils arrivent, ils découvrent quelque chose. Ah, ok, c'est ça. Et après, ils vont faire d'autres recherches pour faire comme ce qu'on a dit la dernière fois, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il faut rajouter cet élément-là. Et à chaque fois, ils continuent. Et ils ne sont jamais épuisés. Ils continuent à faire de la recherche. Puis quand on leur pose la question, ils disent, mais j'adore ça. J'aime ça. Je suis passionnée. La recherche, je suis passionnée par la recherche. C'est là que je me suis dit, ben, ça devrait être la même chose pour nous. Mais si on ne peut pas avoir une compréhension parfaite de Dieu, complète, ben, de continuer nos recherches par amour, parce qu'on a découvert qui il est vraiment. Okay? Donc, j'aimerais vraiment que ça reste dans notre esprit, cette question-là. Pourquoi? Quels sont nos motifs pour lire la Bible? Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Comment étudier la Bible? J'aimerais partager avec vous cette illustration. Lorsqu'on vous recevez un texto que vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous faites? Mais on demande de... On renvoie les interrogations. OK. Si je vous dis MDR, qu'est-ce que ça? Mort d'aller en rire. Alors, fait que c'est clair. Maintenant, si je vous dis PTL. Praise the Lord. Non. Praise the Lord. Non, c'est Praise the Lord. Et la première fois que quelqu'un m'avait envoyé ça, je restais devant le téléphone comme. Et j'ai dû faire quoi? M'envoyer un texto pour dire, écoute, je comprends pas qu'est-ce que tu fais. La personne m'a réécrit. Et je crois qu'on le réflexe de tout le monde quand on reçoit un message bizarre, ben c'est de retourner à l'auteur pour pouvoir avoir la compréhension. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Okay? Quand on ne comprend pas un passage, quand on lit, puis ça veut dire, mais c'est vraiment de retourner en prière à Dieu et de lui demander des éclaircissements. Malheureusement, c'est pas le réflexe qu'on a. On a un texte, on ne comprend pas, on fait bon, ben, je vais appeler un tel. Ah, ben, je vais aller sur Audioverse, puis je vais mettre le sujet qui m'embête. On a rarement le réflexe de faire, OK, ben, j'ai ma concordance, j'ai mon dictionnaire biblique, puis ben, je vais commencer à chercher pour moi de retrouver la vérité. Et pourtant, on le fait pour de simples textos. Maintenant, je vais faire ressortir la chose parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. La parole de Dieu ne peut être comprise qu'avec l'aide de son auteur, c'est-à-dire Dieu lui-même. Maintenant, comment approcher la Bible? Notre comportement face à la Bible. J'ai cité le passage tantôt, mais on va le lire. 1 Corinthiens 2, versets 11 à 14. On va prendre nos bibles puis on va lire. Je pensais l'avoir lu, mais ça n'est pas. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 14. C'est 1 Corinthiens
Versets 12 à 14. Parfait. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Et donc, quand on approche la parole de Dieu, quand on vient pour étudier la Bible, il faut avoir un bon état d'esprit. Okay? On ne peut pas arriver avec nos propres idées, on ne peut pas arriver avec nos propres préjugés, on ne peut pas l'approcher avec « Oh, mais c'est ce qu'on a toujours dit. » Okay? Il faut vraiment arriver avec un esprit ouvert et être disposé à recevoir l'enseignement que Dieu a pour nous. Et on peut découvrir des choses qui vont nous surprendre. OK? Donc, j'aimerais partager avec vous des règles pour étudier la Bible. Et ces règles sont tirées d'un ouvrage qui a pour titre « Étudier la Bible et la comprendre pour étudier avec les autres » de Pasteur Vaillant. Première règle, accepter quelle est la parole de Dieu. On a déjà lu les passages de 1 Timothée 3, versets 16 et 17, qui dit que la parole de Dieu est toute écriture est inspirée de Dieu. On a déjà lu. On a lu aussi 2 Pierre 1, versets 20 et 21, qui dit que la parole n'est pas sujet d'interprétation, mais que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Donc, elle n'est pas le produit de la réflexion humaine. Okay? Il faut l'accueillir comme la parole de Dieu. Deuxième règle, obéir à Dieu. Sans l'obéissance, la parole de Dieu ne peut changer notre vie personnellement. Obéir à la parole de Dieu, c'est la pratiquer dans la vie quotidienne. L'obéissance à la parole de Dieu a un impact dans la vie de l'étudiant et des autres. Donc, juste de venir de lire la Bible, mais il y a des instructions, il y a des choses qui nous est demandées dans la Bible, puis de ne pas le faire, ben, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si on veut vraiment expérimenter la transformation, il faut passer à une phase d'action, faut passer à la phase d'obéissance. C'est dans la pratique de la parole de Dieu que réside la sagesse et l'intelligence du peuple de Dieu. J'aimerais qu'on lise ce passage. Ça se trouve dans Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 4, versets 5 et 6. Je pense que je suis dyslexique. Je lis dans la fin ou avant. Deutéronome, chapitre 4, versets 5 et 6. Vous avez tous trouvé? Mm-hmm. C'est Dieu qui parle. Il parle à Israël. Maintenant, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances. C'est plutôt Moïse. Moïse qui parle de la part de Dieu au peuple d'Israël. Voilà. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. On parle ici de Canaan. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, en parlant des peuples qui ne connaissent pas encore Dieu, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette nation est un peuple absolument sage,
et intelligent. Donc, à travers cette obéissance, on donne le témoignage aussi à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, comme quoi on est sage et intelligent. Ça, ça passe à travers une vie d'obéissance. On reçoit l'instruction, on la comprend, on passe maintenant à la pratique et l'application dans la vie. La troisième règle à suivre est de l'écouter. Pas la même chose. Il faut écouter et ensuite obéir. J'ai écrit tel quel de son document. Donc, obéir à Dieu, écouter Dieu. La quatrième règle, lorsque nous étudions, en fait par rapport à l'écoute, lorsque nous étudions la Bible, il faut l'écouter avec une intelligence transformée. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens à être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Donc, c'est important d'approcher la Bible avec ce renouvellement de l'intelligence. Il faut écouter pour comprendre le message de la Bible. Écouter la parole de Dieu, c'est mettre de côté nos opinions, je l'ai déjà mentionné, mais ça vaut la peine d'être répété, mettre de côté nos opinions, idées et pensées. Il nous faut l'aide du Saint-Esprit dans l'étude de la parole de Dieu. Quatrième règle est de demander. Il faut prier. Demander à Dieu de purifier notre cœur. Et il faut demander à Dieu qui nous ouvre les yeux pour découvrir les merveilles, les merveilleuses vérités contenues dans la parole de Dieu. Purifier nos cœurs, pourquoi? Parce que dans Jérémie 17, verset 9, il est écrit que nos cœurs, malheureusement, sont tortueux et méchants. On n'a pas ce désir de faire du bien. On n'a pas le désir de rester dans le spirituel parce qu'on est malheureusement charnel. Et donc, il faut demander à Dieu de purifier notre cœur. Donc, on doit vraiment avoir cet esprit de prière quand on approche la parole de Dieu. Et on demande aussi l'aide du Saint-Esprit pour qu'il nous ouvre les yeux, pour comprendre. Dans Psaume 119, verset 18, il est écrit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Donc, dans l'étude de la parole de Dieu, la prière est indispensable. Cinquième règle, avoir la passion pour la parole de Dieu. La passion pour la parole de Dieu. Nous devons avoir de la passion pour elle, car elle est beaucoup plus précieuse que l'argent. Lisons Psaume 12, verset 7. Psaume, chapitre 12, verset 7. Je dis pour vous, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre et creusé, et sept fois épuré. Donc, vraiment dans ce passage, on voit que la parole de Dieu est comparée à quoi? À de l'argent. Okay? Donc il y a vraiment cette dimension-là, le fait que c'est précieux, c'est quelque chose de très important, et sept fois que représente la perfection. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et il faut être passionné par rapport à cette parole, par rapport à la Bible. Et il faut aussi la rechercher, parce que c'est à travers l'étude de la parole que nous pouvons découvrir qui est Jésus. Dans Jean 5, verset 39, il est écrit, « Vous sondez les Écritures, car vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et il y a une autre règle, je ne l'ai pas mis là, mais en conclusion, je me suis dit que c'est vraiment quelque chose de très important. C'est le facteur temps, le facteur persévérance. Je me rappelle dans ma marche chrétienne, quand je venais de commencer à étudier la parole de Dieu, j'étais confrontée des fois à des questions sans réponse ou des passages super complexes, super difficiles. Puis, la tendance naturelle, ça a été de comme, je laisse tomber. OK? Mais il faut persévérer parce que les réponses sont venues plus tard. J'ai eu les réponses. Elles ne sont pas venues comme tout de suite là.
oh, j'ai la question, puis boum, la réponse est apparue. C'est pas arrivé comme ça. J'ai écrit la question quelque part, j'ai quand même continué à étudier, et c'est par la suite que les réponses sont venues. Mais les réponses sont venues. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est à travers la recherche que les réponses vont apparaître. Et une autre chose aussi, bref, ça c'est vraiment tiré du livret dont je vous parlais, comme comment étudier et le titre. Étudier la Bible et la comprendre pour étudier avec les autres. Et ça c'est deux autres que moi-même j'ai rajouté. La persévérance dans l'étude de la Bible et étudier avec notre intelligence. J'ai eu la chance d'écouter un pasteur. Puis il expliquait que, en tant que professeur dans une faculté de théologie, il trouvait particulier le fait que les étudiants pouvaient lire des articles scientifiques sans problème, pouvaient lire des trucs très complexes, mais quand ils arrivaient devant la Bible, c'est comme s'ils ils retiraient leur intelligence, puis ils arrivaient pour étudier la Bible sans intelligence. Puis il expliquait que de faire ça, c'était insulter Dieu. Il dit la même intelligence qu'on a pour étudier les choses scientifiques, ben, il faut arriver avec la même intelligence pour étudier la parole de Dieu. Donc d'établir les liens, de voir que tel passage, ça dit telle chose, mais qu'on l'a déjà vu avant. Donc cette même rigueur intellectuelle qu'on a pour lire les articles scientifiques, mais on doit l'avoir aussi pour étudier la Bible. Donc approcher la Bible différemment serait insulter Dieu. Ça, c'est les paroles de Jacques Ducan. Nous devons utiliser la même rigueur intellectuelle pour comprendre les choses spirituelles. Donc, lorsque nous approchons la Bible, nous devons être ouverts, nous devons demander à Dieu de nous guider, de nous instruire selon la parole de Dieu, et de changer nos idées préconçues sur la Bible. Okay. Il y a un document qui a été préparé, et on va continuer avec ce document-là. Je peux le distribuer pour votre consultation. Ah, ok. S'il y a des questions jusqu'à maintenant sur les règles à suivre avant d'étudier la Bible, avant de lire la Bible, le comportement à avoir quand on approche la Bible, ça va, c'est clair? Parfait. Ce document, vous allez le recevoir. Excusez pour les fautes d'orthographe. Les accords pas faits. Les ER à la place des E à son début. S'il vous plaît, excusez, soyez indulgents vers moi. Cinquième point, dans la cinquième règle qui a été mentionnée, c'est mentionné, mais c'est écrit avoir la passion pour la parole de Dieu. Mais comment, on sait très bien que, tu sais, des fois, on n'a pas envie. Quand on se lève et tu n'as même pas envie de t'ouvrir. T'as envie de rien savoir, t'as juste envie de commencer ta journée. Comment gérer ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, on n'a juste pas la passion. Comment ça vient d'où? Comment la créer? Est-ce qu'on peut la créer? C'est quoi le processus pour arriver à avoir cette passion-là? Est-ce qu'on aimerait l'avoir intrinsèque? On aimerait l'avoir en continu, mais on n'est pas à s'inquiéter, on n'a pas à se rebrancher, à être intentionnel. Ouais. J'avoue, ce serait bien, mais il y a quelque chose que Dieu valorise beaucoup et c'est notre libre choix. Et il ne va jamais le forcer. Okay, adore-moi, je veux que tu sois content quand tu m'adores. Ne fais pas ça. Chaque jour, c'est nous qui devons faire ce choix-là. Okay. Il y a un ennemi aussi,
Et cet ennemi veut nous décourager de justement nous connecter à la source de sagesse, à la source de toute intelligence. Et donc, c'est vraiment à nous de prendre cette décision-là. Et j'avoue que moi aussi, ça m'arrive. Je me réveille que ça ne me dort pas. Je vais rester un petit peu plus longtemps dans mon lit pour être bien reposée, pour aller travailler. Mais les fois où j'ai fait ça, c'est bizarre. Toutes les choses allaient mal. J'étais plus fatiguée que d'habitude, même si j'ai dormi plus. Mais parce que je n'avais pas eu cette connexion, on dirait que tout allait bizarre. J'étais impatiente. C'est vraiment bizarre. Mais quand je décide de prioriser Dieu, de lui accorder cette place, il m'accorde sa grâce. Matthieu 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses seront données par-dessus. » Et ça, ça a été vraiment mon expérience. Quand je lutte, ben, je me rappelle, ok, tel jour j'avais fait telle chose, puis ma journée était terrible. J'arrive en retard au travail, j'étais de mauvaise humeur, j'étais stressée toute la journée, j'ai crié sur les patients. Je ne fais pas ça, mais c'est pour juste montrer le fait que... pour montrer le fait que la journée s'est très mal déroulée. Et en faisant ton expérience, finalement, quand ça arrive, tu fais « Ah non, je me rappelle quand je suis passée. » Je veux garder cette... Maintenant, c'est vraiment... Des fois, je découvre des choses tellement extraordinaires que j'attends même pas que la lampe se lève. Je me lève, je suis prête, puis déjà j'étudie la Bible. Donc, en anglais, on dit « it's an acquired taste », le plaisir croit avec l'usage. C'est en le faisant qu'à un moment donné, que ça va être quelque chose d'agréable. Il y a un pasteur, il y a sa fille qui témoignait de son père, qui est pasteur, puis qui expliquait « mon père est tellement passionné qu'il se lève en plein milieu de la nuit pour étudier. Wow. » Comme il va être comme, il va réfléchir à quelque chose, essayer de faire le lien, puis oh, ok, il faut que j'aille étudier, il se lève en pyjama, ouvre l'ordinateur, puis elle passe, elle est comme, il est 1h du matin, il est comme, oui, puis j'ai découvert quelque chose, puis il est là en train de, en train d'écrire, puis ok, et il est vraiment passionné. Et c'est ça qu'on doit développer aussi, que ce soit quelque chose qui devienne agréable. Oui, c'est difficile, c'est pas évident, ça nous tente pas, surtout pas le matin en plus, c'est ça. Mais, c'est vraiment ce que j'ai appris et découvert, c'est que ça se développe en le faisant. Ça devient moins difficile, ça devient moins pénible. Puis ça devient même agréable. Parce que des fois, quand je découvre des choses, je suis là, yes! Yes! This is so powerful! Puis là, je suis tout le temps comme, puis en plus, le Seigneur m'a montré à moi! À moi! So, ouais, mes parents me regardent tout ça. Ok. Donc, c'est ça. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est de continuer à le faire. Développer cette habitude-là, puis vous allez avoir du plaisir à le faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais. Okay. Passons à la question que tout le monde a et souhaite obtenir une réponse. Quelle méthode, quelle approche utiliser pour étudier la Bible? Il y en existe plusieurs, et comme vous pouvez voir sur la feuille, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 7. Il y en a en fait 8. 8, la huitième qu'on va développer en détail. La première approche, c'est « lis et applique ». Il s'agit de lire selon un plan de lecture ou aléatoirement et se poser la question « qu'est-ce que Dieu a pour moi dans ce passage aujourd'hui ?» Donc, il y a certaines personnes qui vont vraiment y aller de manière aléatoire, vont ouvrir la Bible, puis selon ce qu'ils ressentent, vont étudier un passage, vont en fait lire le passage, et ils vont retirer une leçon de ce passage. C'est un peu ce que les vigiles matinales font. Okay? Vous allez remarquer qu'il y a comme un passage, et l'auteur de la vigile va développer sur le passage. Ils appliquent un peu ce concept-là. Lire et appliquer. Il y a une leçon à la fin, et on va appliquer cette leçon-là tirée du passage. L'autre méthode, c'est la méthode sondage. C'est avoir une vue d'ensemble, une vue vraiment panoramique de la Bible, une vue d'ensemble, puis étudier en détail un livre en gardant la vue d'ensemble, okay? De tous les livres de la Bible. Dans cette méthode, on va vraiment s'intéresser à la vue d'ensemble. Donc, le grand conflit cosmique. C'est vraiment une vue d'ensemble.
le gros. On est vraiment retiré, on est loin, puis on regarde toute la Bible. Donc, on va s'intéresser au thème prédominant et aux phrases, les expressions qui reviennent souvent. Maintenant, il y a la méthode verset par verset. C'est une méthode qui est un peu plus méticuleuse, qui est un peu plus détaillée. On va prendre un verset et on va la disséquer. On va disséquer ce verset-là, on va prendre les mots de ce verset, on va essayer d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est l'approche qu'a utilisée, par exemple, William Miller pour pouvoir découvrir la vérité des 2300 soirs du matin. Parce qu'il a décidé que oui, il a étudié tous les versets de la Bible, un à la suite de l'autre. Et c'est en faisant ça qu'il a pu découvrir la vérité autour des de 2300 soirs du matin. Donc c'est vraiment une étude microscopique de la Bible. C'est une étude systématique, verset par verset de la Bible. Okay? Il y a les méthodes biographiques. En passant, ces différentes méthodes que je suis en train de partager avec vous, c'est tiré d'un livre que vous pouvez trouver sur Internet. Et ça s'intitule « Revived by God's Word ». Mini handbook for Bible study. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur ces différentes méthodes, c'est disponible en ligne. Donc la méthode biographique, c'est de compiler la biographie des différents personnages de la Bible. On va s'intéresser aux différentes allusions faites sur la vie de la personne. Mais en faisant ça, il faut qu'on soit méticuleux dans notre étude parce qu'on va remarquer, par exemple, qu'il y a plusieurs personnes qui portent le même nom. Il y a plusieurs Joseph, il y a plusieurs Jean. Donc, il faut s'assurer qu'on ait le bon personnage. Important de connaître le lieu de naissance et la date de naissance du personnage en question qui nous intéresse. Il y a la méthode par sujet, c'est-à-dire de faire la compilation de tous les versets qui traitent du même sujet. Si le sujet, par exemple, de la prière nous intéresse, bien, on va dans la concordance, une ici, et on va dans prière. Il y a un paquet de versets qui vont sortir, et on les regarde un à la suite de l'autre. On va prendre les synonymes. On va prendre synonyme de prière, supplication, intercession, crier à Dieu. On va prendre tous ces synonymes-là et on va les regarder. Puis on essaie de retirer des leçons de tous ces passages-là. Il y a la méthode par mot. Par exemple, si un mot nous intéresse, on va dans la concordance, pas dans la concordance, mais dans le langage original. Et on va voir la signification de ce mot dans la Bible, dans le langage original. Exemple, j'ai mis un exemple ici. Amour. En grec, ça a quatre significations possibles. Excusez-moi, j'ai mis trois, mais c'est quatre. Tout dépendamment du contexte. Eros, amour peut signifier philéo, ça peut signifier storgé, ou ça peut signifier agapé. D'accord? Donc, il faut qu'on aille dans le langage original pour savoir. Parce que nous, amour, c'est amour, il n'y a pas 10 000. Peut-être charité. Charité, c'est agapé. Mais on n'a pas beaucoup de termes. Ce n'est pas autant différencié. Tandis que dans le grec, amour, on peut avoir quatre significations différentes. Donc, c'est important, dans ce genre d'études-là, par mot, d'aller dans le langage original pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Et il y a la méthode trouver des réponses. C'est étudier dans le but de trouver des réponses à nos questions. Que dois-je faire pour être sauvé, par exemple? Si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrances? Donc, on oriente notre étude selon notre questionnement. Ça va? En fait, c'est vraiment les différents types de méthodes. Je ne vais pas élaborer sur les faiblesses, si on devrait plus privilégier un que l'autre. Vous pouvez les regarder et peut-être choisir celle qui vous convient le mieux. Okay? Moi, je vais insister un peu plus sur la dernière méthode, qui est la méthode inductive. La méthode inductive est une méthode d'apprentissage ou de découverte par questionnement. Nathalie, qui est professeure, probablement que tu sais de quoi je parle. Donc, par questionnement. Donc, inductive vient du mot latin inducere, qui comprend deux mots, in et ducere. Le mot in signifie dans, le mot ducere veut dire conduire. Ou pousser. En se basant sur des faits, des observations, on se laisse guider, on se laisse
conduire vers une conclusion, vers une solution. D'accord? La méthode inductive. Probablement des gens qui se posent, ah, mais il me semble que je serais aussi déductif. C'est quoi déductif? C'est une bonne question. Mais contrairement à la méthode inductive, on ne se laisse pas conduire. On émet nous-mêmes nos hypothèses. On émet nous-mêmes nos prémices. Puis là, on va chercher des données pour confirmer notre prémisse, pour confirmer notre hypothèse. OK? C'est différent. Est-ce que vous voyez la différence? C'est bon? OK. Donc, la méthode inductive, on rassemble les données, on rassemble les faits, on rassemble les informations. Et avec ces informations-là, on chemine avec le Saint-Esprit qui va nous orienter sur quelque chose dans notre vie qui est peut-être problématique, qui a besoin d'être changé. C'est ça la méthode inductive. C'est vraiment de travailler en collaboration avec le Saint-Esprit. Puis nous, on lit. Et le Saint-Esprit va nous guider vers certains éléments. Parce que notre problème, c'est parce qu'on n'a pas pardonné. Est-ce que on a un problème de dépendance? Tout ça à travers l'étude de la Bible. D'accord? Donc, on se laisse conduire à travers les faits et le Saint-Esprit. L'approche inductive comprend quatre parties. Il y a la partie observation, la partie interprétation, la partie application et la partie action. Okay? On découvre des choses, c'est extraordinaire. Waouh! C'est vraiment beau ce que je découvre. Mais il y a un, OK, qu'est-ce que tu vas faire dans la prochaine semaine par rapport à ce que tu as appris? Il ne faut pas rester en phase d'émerveillement comme c'est extraordinaire. Il y a très souvent quelque chose à faire, à exécuter, une obéissance, un acte à poser par rapport à l'apprentissage qu'on a fait. Dans la partie observation, on se pose la question, que dit le texte? Okay? On regarde le contexte. On va lire ce qui est écrit avant, on va lire ce qui est écrit après. À quoi avons-nous affaire? Est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que c'est un poème? Est-ce que c'est une parabole? Est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est une prière? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? On va se poser ces questions-là quand on lit la Bible. Qui sont les personnages? Qui parle? Qui est l'auteur? Que font-ils? Quel est l'enjeu? Exemple, dans le livre de Galates, il y a un enjeu. Paul a écrit à cette église parce qu'il y avait un problème. OK? Il y a des faux enseignants qui sont venus et qui ont commencé à répandre une fausseté, un faux évangile, comme Paul dit. Et ce faux évangile, c'était de dire que, OK, oui, on est sauvés grâce à Jésus-Christ, mais il faut rajouter la circoncision, il faut rajouter les rituels, il faut rajouter un paquet d'autres choses pour être sauvés. Et Paul a dit, Paul est intervenu pour clarifier les choses et pour dire que non, vous êtes sauvés, vous êtes justifiés par la foi. OK? Donc, il faut comprendre l'enjeu, il faut comprendre pourquoi telle chose est écrite par l'auteur. Quel est l'enjeu? Où se passe l'action? C'est important de savoir parce que si par exemple, dans un passage, le passage précédent, l'action se passait à Jérusalem, puis là, tout d'un coup, on est à Bethel, ben, il y a eu un déplacement, il y a eu un voyage. Et ça peut faire une différence dans notre compréhension du texte. D'accord? Quand est-ce que cela se passe-t-il? Il faut avoir une idée de la chronologie. Okay? Où est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est à l'époque où Israël a été déporté? Est-ce qu'ils sont à Babylone? Ils sont de retour à Jérusalem? C'est quand ça se passe? Quand se passe l'histoire? Il faut être en mesure de placer le passage dans une chronologie. La deuxième partie, l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? On se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire à l'époque où ça a été écrit? OK? Il ne faut pas regarder le passage puis le comprendre avec notre esprit du 21e siècle. Ah, OK. Il y a un chien, puis nous, on pense à quelque chose de super mignon. Non, dans la Bible, malheureusement, quand on fait allusion à un chien, c'est extrêmement péjoratif, c'est extrêmement négatif. D'accord? Fait qu'il faut, c'est là qu'il faut retourner dans ce genre d'ouvrage, se diriger vers ce genre d'ouvrage pour aller voir ce que ça veut dire. Il y a des gens qui ont travaillé sur la chose, qui se sont intéressés au contexte, contexte de la Bible, pour essayer de comprendre comprendre le contexte, de comprendre certaines expressions de la Bible. J'essaie de trouver un exemple qui peut... Oui. C'est quoi l'ouvrage? Celui-là, c'est
Nouveau dictionnaire biblique, des éditions Emmaüs. Vous pouvez le trouver au CLC. Je dois reconnaître que c'est pas donné. D'accord, faut se mettre un petit budget pour pouvoir l'acheter. Ok. Je vais trouver un exemple. Bon, exemple. Il fut un temps où on pouvait dire, oh, je suis gay aujourd'hui. Et puis ça passait, tout le monde était correct. Mais si on dit ça aujourd'hui, ça, les gens vont faire comme, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Et comme, il y a d'autres choses qui viennent à l'esprit, d'accord? Donc le langage évolue dans le temps. Et ça, il faut le comprendre quand on étudie la Bible. Ok? Il faut vraiment retourner à l'époque, puis se dire, ok, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel message l'auteur a voulu passer à ses lecteurs? Comprendre le texte dans la culture de l'époque, dans la mentalité de l'époque, dans le style de vie de l'époque, dans le langage de l'époque. Si je devais réexpliquer ce texte à la même assemblée qu'il a reçu la première fois, est-ce que mon interprétation correspondrait à ce que l'auteur a voulu dire? Donc, il faut vraiment faire sortir de l'intérieur du texte son sens. Pas faire rentrer dans le passage nos propres idées, nos propres impressions. Il faut vraiment y aller avec le texte et retirer du texte son vrai sens. La partie application, c'est là où on va actualiser le texte. Après avoir fait tout cet exercice-là, on va réaliser, par exemple dans le livre de Galates, on va réaliser après avoir fait l'étude que l'enjeu, ben, ce n'était pas tant la circoncision, l'enjeu, est-ce qu'il faut se faire circoncire ou pas. L'enjeu, c'était par rapport au salut. Une mauvaise compréhension du salut. Et nous, on va se poser la question, est-ce que j'ai tendance à faire la même chose? Est-ce que j'ai tendance à dire que pour être sauvé, ben, il faut Jésus puis autre chose? C'est ça l'application. Une fois qu'on a trouvé, identifié, c'était quoi le problème à l'époque, l'enjeu de l'époque, ben, de l'appliquer à nous aujourd'hui. C'est bon? Je vois des points d'interrogation sur certains visages. N'hésitez pas à me poser les questions. Oui. Si tu appliques cette méthode-là, est-ce que ça t'empêche d'aller dans le fanatisme? Dans le fanatisme. Parce que, admettons, si j'ai étudié la parole et que je l'ai compris d'une certaine manière, qui n'est pas forcément la bonne, ça peut m'induire en erreur, certainement, et me conduire au fanatisme. Comment prendre le... Donc, je vois très bien les aspects positifs de ta méthode, dans le sens... C'est pas ma méthode, hein. Oui, enfin, de la méthode que tu nous exposes, pour sortir le contexte pur de la parole et l'adapter à notre situation d'aujourd'hui. Mais notre compréhension, elle peut être déformée. Donc, qu'est-ce qui nous dit que c'est une vérité? Et c'est là... C'est une très bonne question. Et c'est là que c'est important d'aller vérifier, de valider la chose avec d'autres passages. OK? Là, on a trouvé, on est arrivé à notre conclusion. OK, est-ce que ça fait du sens avec la cohérence biblique? Là, on va vérifier. Si on trouve rien, il y a de fortes chances que peut-être notre conclusion n'est pas bonne. OK? D'aller voir aussi certains pasteurs, voici je suis arrivée à telle conclusion, est-ce que ça fait du sens avec le langage biblique, est-ce que ça fait du sens ou bien c'est vraiment it's off. C'est d'aller de j'ai le mot en anglais mais je ne l'ai pas en français, challenge, comment je peux dire challenge en français, de confronter notre conclusion à la réalité biblique, parce que c'est la réalité, on n'est pas des théologiens, on ne connaît pas la Bible de A à Z. Et donc, c'est important que de confronter notre conclusion à un pasteur ou bien essayer de trouver un autre passage qui confirme ce qu'on est en train de déclarer pour être sûr que oui, ça fait du sens, ça tient dans le canon biblique. Donc, excellente question, merci de l'avoir posée. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour moi aujourd'hui? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fanatisme, beaucoup de groupes qui se forment, qui vont s'isoler. Et quand on étudie la Bible, il ne faut pas avoir peur d'aller vérifier, justement, si ce qu'on a découvert est cohérent avec la Bible, les enseignements bibliques. Action, obéir. Donc, des actions concrètes à poser en fonction des apprentissages faits dans la semaine suivant l'étude.
Pourquoi je dis dans la semaine, c'est que très souvent, on est comme, ah, j'ai le temps, finalement, on oublie. Okay? Dans la semaine, là, on va vraiment être comme, ok, il faut vraiment que je passe à l'action. Aide-moi, Seigneur, à passer à l'action. Aide-moi à pardonner. Aide-moi, Seigneur, à abandonner telle mauvaise habitude. Donc, d'être concret, puis de se donner aussi des outils pour réussir. Maintenant, quels sont les outils, les ressources que je peux utiliser pour étudier la Bible? Premier outil, la Bible elle-même, parce qu'elle s'interprète elle-même. Une autre chose intéressante, c'est d'avoir plusieurs versions de la Bible sous la main. Si possible, afin de bien cerner le sens du texte, si nous ne lisons pas le grec, l'araméen ou l'hébreu, qui sont les textes originaux. D'accord? D'avoir plusieurs versions. Il existe plusieurs versions, Osterwald, Martin. Donc, de vraiment les comparer. Cette semaine, par exemple, dans le livret de l'école du sabbat, il y avait l'expression « nous nous réjouissons ». Non, je n'ai pas. Nous nous glorifions. Puis on voit le texte. Moi, j'avais un inconfort pendant que je préparais la leçon. J'étais là, nous nous glorifions. Il semble que la gloire revient à Dieu. Comme nous nous glorifions, moi me glorifier. Ce n'est pas confortable. Et là, j'ai été dans Strong's, qui retourne dans le langage original, et j'ai vu que l'un des synonymes, c'est se réjouir. Donc, nous nous réjouissons dans les épreuves. D'accord? C'était ça le passage dans Romains 5. Et là, ça m'a permis de mieux comprendre. C'est pas vrai, je n'ai pas été dans une autre version. Dans le langage original, j'ai été dans une autre version qui disait « nous nous réjouissons ». Je pense que c'était Martin qui disait que « nous nous réjouissons dans les épreuves ». Les parallèles bibliques. Dans votre Bible, vous avez tous vos Bibles avec vous. Dans la partie centrale, il y a des numéros. Il y a une colonne, il y a des numéros. Des fois, ils sont un petit peu plus haut. Ils sont au début de la péricope ou à la fin de la péricope. Ce n'est pas de la décoration. Ce sont des références. Okay? Donc, à travers ces parallèles, vous pouvez aller lire des passages qui ont à peu près le même sujet, qui abordent le même sujet, mais vu dans un monde différent, qui nous aident à comprendre ce qui est dit dans le passage. Donc, ce sont des parallèles bibliques. Dans la plupart des traductions de la Bible, vous remarquerez soit au centre de la Bible ou dans le bas de page des petites notes qui font référence soit à des lettres que vous trouverez dans certains versets sous forme d'exposant. Voilà, numérotation des versets selon la traduction. Je suis vraiment en train de lire ce qui est écrit dans le document que je vous ai donné, la section parallèle. Ces références sont très utiles, ils nous renvoient à un ou plusieurs versets présentant une analogie sur le plan des idées. Parfois, on y trouvera les mêmes expressions, mais avec un précieux complément d'information. Nous sommes ainsi préservés d'une interprétation subjective et pourrons mieux découvrir la pensée globale du texte, car la Bible s'explique elle-même. Les parallèles conduisent le lecteur à des passages complémentaires où il retrouvera les mêmes personnages ou les mêmes sujets. En général, les parallèles concernent des idées exprimées de la même manière ou en d'autres termes. Ils apportent souvent une information supplémentaire ou une explication et font parfois ressortir des contrastes. Donc c'est vraiment utile. Moi, je l'utilise souvent. Donc les gens sont comme, mais comment t'as fait? Parallèles. Les parallèles bibliques. L'autre outil, c'est les concordances. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce genre d'ouvrage, concordance. C'est celle que j'ai, mais elle existe en français, je l'ai en anglais. Donc, c'est par exemple un mot qu'on va chercher, la puissance de Dieu par exemple. On cherche puissance de Dieu, il y a tous les passages qui abordent la puissance de Dieu. C'est vraiment ça une concordance. Sion, on cherche dans le thème, les thèmes, on cherche Sion. Et tous les versets qui parlent de Sion vont ressortir. Comment cette concordance. Celui-là est un peu plus élaboré parce qu'il y a tous les chiffres en grec, par exemple. Non, je ne vais pas rentrer là. Non, on va passer, mais c'est une concordance. On va rentrer dans plus de détails, mais je ne vais pas expliquer c'est quoi ce que fait Strong's. Mais c'est un très bon outil à avoir à la maison. C'est très utile. Surtout quand, par exemple, vous cherchez un passage, vous ne vous rappelez plus du passage, mais vous savez que dans le passage, il y a berger, par exemple. Cherchez
émerger. Puis là, c'était dans le Nouveau Testament. Donc, vous attardez sur la liste du bas. Puis vous allez trouver tous les passages qui traitent le thème de berger et vous retrouvez la référence exacte. Mais tout ça, c'est disponible en ligne, soit dit en passant. Vous n'êtes pas obligé d'aller et d'acheter une concordance. Vous pouvez trouver ces choses par ligne. Dictionnaire biblique. Donc celui-là, c'est une version, plusieurs versions. Les atlas bibliques. Les atlas bibliques offrent des cartes représentant les pays bibliques aux différentes époques de leurs histoires. Les introductions aux livres de la Bible. Ce n'est pas toutes les Bibles, malheureusement, qui ont des introductions. Mais de plus en plus, les Bibles maintenant offrent des espèces d'introductions au début du chapitre. Pour vous dire qui est l'auteur, quand ça a été écrit. La structure du chapitre, la structure du livre, comment c'est disposé, par exemple la première partie ça va aborder tel thème, la deuxième partie va aborder un autre thème. Donc c'est intéressant quand on lit un livre de savoir comment le livre est organisé, structuré. Donc les introductions au livre de la Bible sont importantes pour comprendre le contexte dans lequel les livres ont été écrits. On trouve de telles introductions dans certaines éditions de la Bible, dans les dictionnaires bibliques ou dans les ouvrages spécialisés. Les commentaires bibliques. Ça peut être utile aussi, mais à faire attention. Parce que très souvent, les gens font « Ah, ok, il y a le commentaire biblique, donc je n'ai pas à étudier. » Non, ce n'est pas ça le but. On peut les utiliser juste pour confirmer la conclusion qu'on a, mais ça ne doit pas remplacer l'effort que nous, on doit faire personnellement dans notre étude. Okay. Il existe de très nombreux commentaires de la Bible représentant toutes les tendances d'interprétation de la Bible. En aucun cas, ils ne doivent remplacer l'étude personnelle. C'est par l'étude personnelle attentive que nous cultivons notre esprit critique et que nous apprenons à respecter le texte biblique et à lui donner la priorité sur nos opinions personnelles ou celles des autres. Et là, j'ai mis quelques sites web que moi j'utilise beaucoup. Et qui peuvent vous être utiles dans votre étude. Il y a le site web Enseigne-moi. Dans ce site web, on retrouve plusieurs versions de la Bible et la concordance Strong en hébreu et en grec. Donc, s'il y a un mot que vous n'êtes pas sûr, vous aimeriez savoir qu'est-ce que c'est en grec, vous pouvez simplement cliquer dessus et sa signification en grec apparaît. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller cliquer dessus encore et on donne une explication un peu plus détaillée. C'est quand même bien, parce qu'il fut un temps où il n'y avait pas ces ressources-là en français. Et là, j'ai découvert ça sur le site web Enseigne-moi. Et le site web que j'utilise le plus, Blue Letter Bible, je trouve que c'est vraiment un site qui est complet. Si vous comprenez l'anglais, je vous suggère d'aller sur ce site-là pour pouvoir étudier. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres ressources qui veulent partager, mais moi, c'est les deux que je connais. Hein. Pour l'étude de la Bible. Donc, plusieurs versions de la Bible, la concordance Strong, certains dictionnaires bibliques. La Bible Gateway aussi. Malheureusement, il n'y a pas de Strong, je ne sais pas s'ils l'ont développé. Ils n'ont pas de Strong, on n'a pas de Strong. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Sur les smartphones, il y a l'application Venez Résonnant. Pardon? Il y a l'application Venez et Résonnant. Ok. Où tu as la Strong en français. Aussi. Ça s'appelle comment? Venez et résonnons. C'est ça. Intéressant. Et en anglais, tu as la Strong KJV, qui est aussi intéressante. Strong KJV? Ouais, dans King James aujourd'hui. Parfait. Merci d'avoir partagé. Il y a aussi Eastworld. Oui, Eastworld. Qui est comme un condensé, tu peux avoir plusieurs choses, plusieurs versions de la Bible, plusieurs dictionnaires. Et je crois que l'application c'est MySword. Pour l'avoir sur son cellulaire. Ça permet d'avoir tout à une même place sur ton ordinateur. Mm-hmm. Ouais. Si tu n'es pas en ligne, tu peux aller directement dans MySword, tu cliques dessus et tu fais ta recherche. Ouais. Mm-hmm. Le site Biblia.info. C'est un truc d'œil technique où il y a plein de thèmes. Et puis sur le mot, par exemple, tu cherches par amitié, on va te donner tous les textes. Et puis ça explique un peu le texte au début. Après ça, tu lis le texte. Et puis il y a des études aussi dessus. Intéressant. Donc, Bible Info. Ouais. Bible Info. Oui?
Il y a une application qu'on appelle Bible Tools. Bible Tools? Oui. OK. Puis on peut avoir certaines concordances dessus. OK. Quotations? Citations, merci. Des certaines citations aussi des différents livres de White. OK. Des fois, c'est le fun pour aller mieux comprendre un texte versus l'autre. OK. Mais j'avais une question. Par rapport commentaires bibliques, justement, est-ce qu'il y en a un meilleur que l'autre? Parce que, tu sais, qui fait les commentaires, selon quelle foi? Tu sais, il y avait une question par rapport à ça. Je sais pas. La grosse question, moi-même, j'ai pas pu trouver réponse jusqu'à maintenant. Mais c'est pas vrai, c'est juste mon cas. Hein. Non, c'est une bonne question. Peut-être que quelqu'un d'autre peut répondre. Parce que j'avoue que c'est pas évident, il y a tout genre d'interprétation. Je pense qu'il faut se rappeler les règles d'interprétation sur la scriptura, tota scriptura. Si on voit que l'interprétation des gens est vraiment off, ben, c'est de mettre le commentaire de côté. Et c'est pour ça qu'on le met à la fin, hein. Le commentaire biblique, c'est pas supposé d'être ça qui vous permet d'arriver à votre conclusion. Vous êtes supposé l'utiliser juste pour que ça fait du sens et cohérent avec la Bible. On continue. Tu ne vas pas baser ton étude sur ça. Pour les commentaires bibliques, il y a aussi les forums de discussion. C'est vraiment des opinions personnelles. Le plus souvent, donc, il faut faire attention à ce qui est dit. Voilà, tout à fait. Il y a une application aussi qui s'appelle Bible Tools. Ça, c'est un gars qui a fait un truc. Et puis, quand tu cherches un verset, tu as toutes les références qui viennent des théologiens adventistes. Donc, tu as Ellen White et puis tous les autres aussi. Et puis, ils expliquent en fait le verset. Les versets par verset, en fait, qu'ils ont fait. Il va mettre ça sur l'application et puis tu peux avoir pour chaque verset peut-être une dizaine de livres différents où on explique exactement sur ce verset-là. Mm-hmm. Excellent, merci de partager. Oui. Moi, c'est rien à partager en tant que tel, mais parfois aussi, quand on étudie, quand on fait nos études, des fois, quand on lit les commentaires bibliques ou même aussi les pré-prophéties, ça nous permet aussi de confirmer un peu qu'est-ce qu'on a étudié. Tout à fait. C'est le but. C'est le but. Parce que je me rappelle au début, quand je commençais à faire ça, j'avais approché un pasteur parce que je ne comprenais vraiment pas le passage. Puis, je suis le genre de personne, quand je ne comprends pas quelque chose, je vais rester dessus jusqu'à ce que je comprenne. Je peux arrêter ma journée jusqu'à ce que je comprenne. Puis là, j'étais fatiguée, je voulais vraiment comprendre. Puis comme il était mon voisin à l'époque, je lui ai dit, écoute, j'ai une autre question biblique, j'aimerais ça que tu m'aides à comprendre. Il m'a dit, non, je ne vais pas te donner la réponse tout de suite, continue à chercher. J'étais vraiment frustrée. Il m'a dit, ben, tu dois résister à la tentation d'aller voir les habits, d'aller voir les commentaires. Essaie de trouver toi-même la solution. Puis maintenant, j'apprends à faire ça avant d'aller. Pasteur Hugh, c'est mon pasteur. Là, je m'en vais tout de suite. OK, Pasteur Hugh, c'est quoi? Puis maintenant, il a décidé de ne plus me répondre. Donc, maintenant, je suis encore plus frustrée. Avant, il répondait tout de suite. Maintenant, il répond pas à ma question, puis il n'y a pas de réponse. Là, j'ai compris que c'est doit vraiment être passionnant de continuer, étudier le passage, disséquer pour essayer de trouver la réponse. Le but des commentaires n'est pas de remplacer votre étude, votre réflexion. C'est vraiment juste pour... Là, vous êtes arrivé à vos conclusions, puis là, vous faites comme, OK, je vois maintenant ça fait du sens. Au revoir. Là, on commence le commentaire.